reste pas. Yeah. Tous les journaux m'accordent de nombreux paragraphes. Future icône du rap, la télé me la graffe. HDB, certains en font déjà une griffe. Et toi tu rêves de m'envoyer au fond du gouffre. Et gare à toi, tu risques de te faire très mal. Ma vie privée, je veux pas que tu t'en mêles. Et que je veux pas que tu me prennes pour tout ce sel. Tu passes le temps à faire des choses dans des salles. Mes neurones, il faut pas que tu les éprouves. Sinon pour toi, ce sera une terrible épreuve. Tu ne me crois pas, tu insistes donc tu veux des preuves. Tu me laisses tranquille, il faudrait que je te le prouve. Hey. Tous les jours, du même personne, tous les jours. Ouais! Mais payer ma locataire à cause d'une personne. Mini-mignon! Hey! Non, mieux tu parles, maman. Yeah. Mini-mignon! C'est quoi de ma cité? Mini-mignon! Mini-mignon! Tu m'appelles! Mais qu'est-ce qu'il y a qui t'appelle? Tu ne sois pas! C'est quoi depuis ta petite là tu ne sors pourquoi? Si t'as fait les laver mes bouteilles, Baya, il y a quel problème? Mais c'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Ici sur moi? C'est quoi avec toi? Tu ne peux pas me laisser tranquille, même dormir, c'est quoi? Attends, pardon. Laisse mes locataires tranquilles. Quand tu fais tes choix, laisse mes locataires tranquilles, c'est quoi? Quand tu ne peux pas t'amener, ferme, laisse les autres là-bas dedans, laisse ça là-bas dedans. Mais je suis débordé. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui me locataire se plaint chaque jour de toi? Hein? Tout le monde se plaint ici. Que quand tu fais l'amour, tu cries. Tu veux que l'État t'entende? C'est quoi? C'est quoi ton problème? Tu parles de mon mari qui me fait l'amour, je crie. Et puis quoi? C'est quoi? C'est l'amour du gouvernement. C'est quoi? D'ailleurs, quel est le problème? Pourquoi tu cries comme ça? Laisse mes locataires manger comme ils mangeaient avant. J'ai fait, dis-moi une chose que j'ai fait. Est-ce un problème si je ne peux pas bien chez moi? Je suis rentrée dans ce camp-ci, pourri un peu de partout les odeurs. Je suis venue purifier ce camp-ci avec les bonnes odeurs. Quel est ton problème? Il faut fermer. Pourquoi? Mets le compte de plaquer là-bas, mets le compte de plaquer là-bas. Passe-toi, laisse mes locataires. C'est quoi? Tu ne peux pas bien pourquoi? Mes locataires sont habitués à manger le sanga, les pompiers, tu ne peux pas bien. Ferme-moi dans tes soldats chez toi avec les comptes plaqués. Ça doit me sortir. Tu es jaloux, c'est vrai, Baye, jaloux. Ferme tes soldats, c'est pas l'amour de l'État, c'est pas pour l'État ici. Tu peux pas, on a signé un contrat pour ça. Ferme tes soudeurs. Comment t'es dérangé? Je voulais voir mon mari pour représenter l'homme camerounais. Tu t'aimais pourquoi? Ah, c'est l'amour de l'État. Tu t'aimais quoi? C'est l'État! Ah, pas sur quoi? Tu l'as dit, tu le chien. C'est l'État! Pour moi, il est venu. Sois, pas sur toi. Pas sur toi. Maman, à toi là. Ne veux plus. Laisse-les manger comme ça. Ne viens bien avec tes odeurs. Tu peux nuire mes locataires. Laisse-les manger maliens. Sors de chez moi. Je veux plus te voir. Hein. Comme je parle, je reviens, je veux plus te voir. Alors ne meurs pas. Mais une seule solution. Moi, locataire Pierre. Parce que mon nombril est intéressé. Je ne sors pas. Ah bon? Oh non. Ah bon? Oui. Tu sors pas? Oui. L'autre locataire fait comme toi là. Hein. Eh? C'est la tifoïde qui l'a envoyé. Quoi? C'est un peu mon doigt comme ça, c'est la panarine. Mais non, sors de chez moi! La typhoïde, Je te dis, la typhoïde! Sors de ma maison! Laisse ma maison! Sors de ma chez vous! D'ailleurs, tu as écrit sur les épaules, la typhoïde! C'est le panier qui veut t'envoyer! T'avais dit, ferme tes odeurs! Que les odeurs ne sortent pas pour lui, mes locataires! Ma chance! Tu vas voir, non? Tu vas voir! Tu vas voir! La typhoïde! Voilà! Sorcellerie, et pas moi! C'est les parties sorcellerie qui veut t'envoyer maintenant! C'est pas ma sorcellerie! Ma chance! Je vais partir, Bayer! Ouais! Tu veux déménager. Il a grandi dans une cité où régnait l'adversité, où l'inégalité, l'imbécilité était sollicité. Là-bas il y avait trop d'armes, trop de larmes, peu de bonnes âmes, trop de flammes et beaucoup plus de cam. Il savait que dans ce ghetto chaque jour la mort le guette. Alors comme un guerrier il était prêt à faire la guerre à cet animal sauvage qui voudra le supprimer afin d'occuper sa place dans cette belle mais dangereuse cité. Drogue, deal, drame, peur, pleurs, meurtre, deuil, douleur, rancune, galère, bonne gloire.